Lors de l'investiture d'Alpha Condé, nous nous rappelons encore des éloges formulés à l'endroit du dictateur Denis Sassou Nguesso. Qualifié d'empereur par ses pairs, hospitalisé en Suisse car affaibli par la maladie, Denis Sassou Nguesso a fait un malaise sur son lit d'hôpital après avoir appris le coup d'état militaire contre le dictateur Alpha Condé. Confronté à une révolte populaire lors de la modification de la Constitution, lui permettant de briguer un troisième mandat illégitime et illégal, Alpha Condé a été mis aux arrêts par l'armée républicaine qui l'accuse d'instrumentaliser les conflits ethniques pour se maintenir au pouvoir. La situation explosive que traverse la Guinée qu'on a pu est transposable à celle du Congo. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, après avoir tué le peuple congolais au lendemain de son coup d'état militaire du 5 juin 1997, il s'est arrogé le droit de prendre en otage toute la richesse du pays au détriment du peuple, qui vit d'ailleurs dans une extrême pauvreté. Mais encore, il croit laisser le Congo en héritage à son fils, Christophe Sassou Nguesso, qui affirme déjà à qui veut l'entendre qu'il sera le futur président. Et nul ne pourra s'y opposer, même pas les caciques du PCT. Ce qui devrait en principe révolter tous les patriotes soucieux de l'avenir de ce riche pays d'Afrique centrale, structurellement appauvri par une famille, un clan tribal, dont les cadres politiques sont tribalistes. Le régime de Sassou Nguesso s'effondrera comme un château de cartes. Patience.